souviennent également de toi. Nous allons prier et dire merci à Dieu pour toi. Si mes lacs fofo melinao, mes lacs fofo masubo. Si mes lacs fofo melinao. Melakbe fofo masubo lugereo nebona fofo etenunye sonye dime maglombe akbe na wo. Sonye dime magblombe akbe na o si me lakbe fofo me li na o me lakbe fofo masuba o si me lakbe. Si me lagbe fofo melina wo melina wo melagbe fofo masuba wo lugere wo lugere wo ne wana fofo Nunye sonye dime magblombe akbe na wo wagere wo ne wana fofo etenunye sonye dime magblombe akbe na Shakatala Bragadia, Zeketele Brasuna la Brasakatala Bragadia. Voyons le livre de Job dans le verset 10. Dans une discussion avec Dieu et Satan, yeah. Satan a dit à Dieu : Ne l'as-tu pas protégé ? Lui, sa maison, tout ce qui l'appartient, j'aimerais que tu comprennes ce matin. Si toi et moi nous sommes vivants, alléluia. C'est grâce à la protection de Dieu. Amen. Alors j'aimerais que tu ouvres ta bouche. Alléluia. Et que tu dises merci à Dieu. Alléluia. Ne te tais pas, mais plutôt dis quelque chose à ton Dieu. Alléluia. Labra sakata labra sokata labra gadia. Rekata labra shete labra gadia. Mon Dieu, mon Père, nous te louons, nous te célébrons ce matin. Nous te disons infiniment merci ce matin, mon Dieu, mon Père. Reçois honneur et gloire, reçois la louange, reçois toute l'adoration. Merci pour ton amour, merci pour ton amour, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci Seigneur, tu as payé sur nous, tu nous as protégé, tu nous as protégé, tu nous as protégé. Pourquoi ne pas te dire merci ce matin? La bacha kata la brasu kata la bagaya. Na wo,
merci Seigneur, merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Les bras au katana bracadia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élevez la voix, invitez le Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que par ta miséricorde sur la tête, tu as dit. Holy Spirit. On demande ta présence par le Katana Bragania.
Jésus. Seigneur, descends sur ma tombe, ne fais ta puissance par ton esprit. Sur le prédicateur, sur tout ce qui vont monter sur le terre, sur la chance sur ma chère Seigneur. Par ton esprit fortifié. Par ton esprit, Seigneur, fortifié. Dans le Saint-Esprit. Afin qu'il puisse accomplir ce que tu veux qu'il fasse. Qu'il passe. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, développe une onction fraîche. Sur tes serviteurs ce matin. Développe une onction fraîche. Sur tout ce qui vont monter sur la chance ce matin. Une onction fraîche. Pour que ta volonté soit faite. Une portion fraîche sur le prédicateur de ce matin pour que Seigneur ta volonté soit faite, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des témoignages ce matin au nom puissant de Jésus. La pacha kata la bagadia, libra sous côté les bagadia, courir ma sondo les bagada, les mamas, les machines, les bagadia, les bras sous kata la bagadurikata. Merci Seigneur pour ton esprit comme le bureau au nom puissant de Jésus. Another touch of your hand. Thank you, Jesus. Need another touch, another.
Thank you, Jesus. Tu vas prier pour toi-même ce matin. Alléluia. Et que Dieu accomplisse quelque chose dans ta vie ce matin avant que tu nous repartes. Tout ce qui raconte Dieu ressort toujours quelque chose. Donc c'est pourquoi tu vas prier pour toi-même. Le Seigneur ne me laisse pas partir tel que j'étais venu. Que je reparte avec un changement. Je ne repartirai pas, je repartirai avec des témoignages. Je repartirai avec la joie, avec la guérison. Seigneur, rappelle-toi de moi ce matin. Élève ta voix. Les bras sakata, la brakata, la bragaria. Les bababara, bochanda, la brasoka, toni bragaria. Requete, les brasonda, la bragaria. Les mamamara, bosaka. Seigneur, rappelle-toi de nous ce matin. Rappelle-toi de ton église. Rappelle-toi de tous les élus du Christ. Aujourd'hui, dans ce culte, dans ce mois de janvier, dans cette année 2024, Seigneur, ne nous laisse pas partir tant que nous étions venus. Touche un malade. Quand les enfants de Dieu se regroupent, il y a les esprits mauvais aussi qui viennent pour perturber. C'est pourquoi nous allons prier que toute puissance maléfique et qui ne se soumet pas à Dieu et qui veut empêcher la volonté de Dieu, que Dieu brise leur pied, leur fauteuil, leur chaise, que Dieu les brise. Tout ce que Dieu a planifié s'accomplit toujours. Donc que la puissance de Dieu raconte ses puissances maléfiques et qu'il les détourne, qu'il les détourne, qu'il les terrasse du monde, du milieu de nous ce matin. Élevez la voix, priez. Toute puissance maléfique, toute puissance démoniaque, les esprits des ténèbres, les esprits des familles, les esprits territoriaux de mon lieu de pensée, que ne peut pas laisser la gloire de Dieu s'accomplir, que ne peut pas laisser la volonté de Dieu s'accomplir ce matin. Et ne pas ta puissance, nous les renversons, nous les détournons, nous les paralysons au nom de Jésus. Les hôtesses sataniques de ce territoire, les esprits de sorcellerie, les esprits de serpents qui vont vouloir empêcher la gloire de Dieu au milieu de nous ce matin. Le feu du Saint-Esprit vous consume. Vous êtes dispensé
traversé par le feu, vous êtes anéanti par le feu. Les esprits de famille qui ont suivi quelqu'un jusqu'ici, le feu vous disperse, le feu vous consume. Laissez le peuple de Dieu tranquille. Le sang de Jésus vous paralyse. Vos activités sont paralysées. Vous êtes vaincus par le sang de Jésus. Toi, ennemi, toi, Satan, vous les démons, vous êtes vaincus par le sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, merci pour le miracle et la signe de ce matin. L'abraço Kotorikata. Merci pour la victoire. Au nom puissant de Jésus. Thank you, Jesus. Alléluia. Acclamez ta foi pour le Seigneur. Alléluia. C'est un dimanche spécial. C'est un dimanche spécial. Alléluia. 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 Amen. Donc, si tu veux témoigner, n'hésite pas. Cette année, c'est une décision que chaque dimanche nous allons témoigner et Dieu va toujours nous donner des témoignages. Amen. Donc, si tu as un témoignage, tu as un remerciement, va voir le frère Elias derrière là-bas et tu te confesses à lui. Après, il va t'appeler pour que tu viennes témoigner pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, à présent, nous allons écouter une lecture comme on avait fait le dimanche passé. Alléluia. Dans le groupe musical, excusez-nous un peu. Alléluia. Après la lecture, nous allons continuer avec la louange. Alléluia. Alléluia. Les bras cattifs. Amen. Amen. Vous êtes bénis ce matin. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la charité. La charité. Alléluia. Amen. Les bras cattifs. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13. Alléluia. Amen. Prêtez attention à cette lecture. Corinthiens 13, versets 1 à 13. Alléluia. Thank you, Jesus. Quand je parlerai des langues des hommes et les langues des anges, si je n'ai point la charité, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentisse. Alléluia. Le verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Amen. Le verset 3. Quand je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. Amen. Le verset 4. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enflamme point d'orgueil. Alléluia. Le verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Amen. Amen. Le verset 6. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Amen. Amen. Le verset 7. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Amen. Amen. Le verset 8. La charité ne réprime jamais. Ne périt jamais. Excusez-moi. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Amen. Amen. Le verset 9. Quand nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Le verset 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Amen. Le verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Amen. Le verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir une
manière obscure, mais lorsque nous verrons face à face, aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. Amen. Le verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Alléluia. Acclamez tête fort pour le Seigneur. Acclamez le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez compris la lecture? Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Ça parle de la charité. La charité, c'est l'amour plus l'action. J'aime, mais il faut que je démontre mon amour. Donc, quand tu aimes et tu accompagnes ton amour avec des actions visibles, là, on parle de la charité. Alléluia. Amen. L'Église doit vivre dans la charité. L'amour plus les actions. Alléluia. Amen. L'amour plus les actions. Alléluia. Amen. On dit, et on nous a défini, à partir du verset 4, on nous a donné la définition de la charité. Qu'est-ce qu'on a dit? La charité est patience. Elle n'est pas envieuse. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça la définition de la charité. Quand tu aimes quelqu'un qui a l'esprit d'amour, il est toujours patient. Alléluia. Amen. Il n'envie pas, il ne jalousie pas son prochain, il ne cherche pas le mal pour son prochain, mais il pardonne. Il est toujours dans la patience. Alléluia. Amen. La charité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Relisez ce passage à la maison. Alléluia. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13. Relisez doucement et cherchez à comprendre tous les versets. Alléluia. Et vous allez voir, l'Esprit de Dieu va vous parler. Vous allez mieux comprendre. Et l'Esprit qui est dans ce test va entrer en vous. Alléluia. L'amour va grandir dans le cœur de quelqu'un. Les bonnes actions vont commencer par se manifester dans ta vie. Alléluia. Et tu verras la face de Dieu. Alléluia. Et Dieu aussi va exercer de bonnes actions envers toi. Alléluia. À présent, nous allons... Alléluia. Donc nous allons bénir les offrandes et les dîmes et le groupe musical va continuer avec la louange. Alléluia. Je te donne une minute. Parle sur tes offrandes, parle sur ta dîme, parle sur tout ce que tu as porté dans la maison de Dieu ce matin. Alléluia. Les bras au kata, la brasa kata, la bragaria. Les bras au kata, la brasa kete, libra katouya. Les machines de libra bragaria. Mon Dieu, mon Père, je te loue, je te glorifie ce matin. Merci pour la vie de ce peuple merveilleux que tu as amené devant ta face. À présent, Seigneur, voici ton peuple avec ses offrandes. Je prie et je déclare, Seigneur, que ces offrandes sont sanctifiées par le sang de l'agneau. Je demande que le feu du Saint-Esprit consume ces offrandes et que ces offrandes décalent de bonne odeur jusqu'à Denari, mon Dieu, mon Père. Ce matin, Seigneur, par ces offrandes, que le peuple la soit richement béni, que le peuple la soit élevé, que le peuple la soit multiplié et que le peuple la commence à dominer dans tous les aspects au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie en même temps sur toutes les teams. Selon ta parole dans Malachie 3, dit Seigneur, ouvre les écluses de ce matin. Donne la pluie en abondance. Donne les bénédictions en grande quantité. Ouvre les portes des finances pour quelqu'un. Parce que Seigneur, ton peuple est obéissant. Montre ta fidélité dans la vie de ce peuple. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc nous allons louer le Seigneur. Tu vas danser comme tu ne l'as jamais fait. Comme tu es venu dans le froid, tu as traversé la neige là pour arriver. Que ta présence ici ne soit pas vaine. Alléluia. Donc danse bien pour que les anges qui sont là, ils vont récompenser tes efforts. Dieu va récompenser tes efforts. Dis-moi un bon amen. Amen. Nous allons danser. Alléluia. Amen. 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 Mia sobo sobo ni nyeme mao, mia kafu mia mema ole deke. Amen. Fafa le vanyo mila kafu maulo. Nezo bale jacha mila kafu maulo. Amen. Amen. Ela bebe ne nibitozo meche le bakudomi. Amen. Fafa mate empêche mimi a mia subo mao. Et ata mia sitire mi ba foji le deke. Alléluia. Amen. On veut kali a wela de affaire alo. Amen. Wenya mesine nye. Ba de gbepe mawo. Ame adeke me sopliwo. Eti pola nyigba wele kokwe
Oh,
Ce que je veux, c'est de danser pour Dieu. 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 Ce que je veux, c'est de sauter pour Dieu. Ce que je veux, c'est de sauter pour Dieu. Ce que je veux, c'est de sauter pour Dieu. Ce que je veux, c'est de sauter pour Dieu. 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 Tout le monde est dansé. 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 Tout le monde est prié. 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 Tout le
signo Yesu koma yolo. Oh la meme la signo Yesu koma yolo. Oh et vime la signo Yesu koma yolo.
Alléluia. Amen. Alléluia. Nous remercions Dieu pour toutes choses. Il est grand et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Hébreux 11, verset 6 dit. Hébreux 11, verset 6 dit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous devons savoir que Dieu est prêt pour répondre à nos réponses. Il est toujours prêt à répondre à nos prières. Il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées et il connaît nos désirs. Nous n'avons pas de nom pour les témoignages, mais nous allons dire deux mots à Dieu, car il est le Dieu des cas impossibles. Amen. Donc nous allons lui dire deux mots, car il faut qu'il y ait des miracles, il faut qu'il y ait des guérisons, et qu'il faut qu'il y ait des témoignages dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Luc 1, verset 37 dit, alléluia. Luc 1, verset 37 dit, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Nous allons élever la voix et dire deux mots à Dieu. Amen. Nous connaissons nos frères et sœurs. Nous connaissons des gens qui traversent des situations difficiles. Nous allons prier à ce que Dieu agisse dans leur vie. Amen. Nous-mêmes, nous traversons des choses qui sont plus grands que nous. Mais Jésus dit, mon joug est léger. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Élevons la voix. Groupe musical, aidez-nous. Aidez-nous. Élevez la voix maintenant. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui répond à nos prières. Rien n'est impossible à toi. Bawa Rema, belongs to the Lord forever and ever. Dans la vie d'une femme. Power envoie ta main dans une famille. Envoie ta main dans la vie de envoie ta main dans un foyer. Forever and ever. Amen. Singing amen. Les cas incurables. Tu agis. Tu es le Dieu qui ouvre les yeux. Blessings and glory and glory. Jesus and giving and honor. And honor. Power Rema. My Lord, belong to Holy Spirit, belong to Jesus. Seigneur, merci pour les témoignages que tu as déversés déjà. Merci pour l'esprit de miracle et guérison des témoignages. Merci dans Seigneur. La vie de quelqu'un. Merci Seigneur. Tu as commencé par opérer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le dimanche prochain, c'est toi qui vas témoigner. J'ai dit, tu vas témoigner. Tu vas témoigner parce que le Seigneur va accomplir des guérisons, des miracles. Il va ouvrir de grands portes devant toi. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Thank you, Jesus. Amen, amen. Blessings and glory. With thanks and given and honor. Power Rema.
belongs to my Lord forever and ever. Amen. Singing amen, amen, amen. Oh, blessings and glory and glory, wisdom, thanksgiving and honor. Asafo Yehovah, Amenu Vela Fofo Mawe. Thank you, Jesus. No sound Amenovela fofo mawe no seu no seu o metawo no seu pa no seu. Igwe
Only you alone, Igwe, Igwe, Igwe. Only you, only you alone, Igwe, Igwe, Igwe. Only you alone. Tu connais mes mains, la marche des tu connais mes mains, les Dieu n'est Igwe, 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 you are so good, you are so kind, darling Jesus, I worship you. You are so good, you are so, you are so kind, you are so good, you are so kind, darling Jesus, darling Jesus, I worship you. Je suis un peu plus de temps. Thank you, Jesus. N'est-ce pas Dieu qui fait de grands choses, qui fait des prodiges, des merveilles sans nombre? N'est-ce pas Dieu? N'est-ce pas toi Dieu qui accomplit tout à toi? N'est-ce pas toi Dieu qui élève? N'est-ce pas toi Dieu qui élève tes enfants? N'est-ce pas toi Dieu qui protège tes enfants? N'est-ce pas toi Dieu qui essuie les larmes de tes enfants? N'est-ce pas toi Dieu qui lit tes enfants du cachot du désespoir? N'est-ce pas toi Dieu qui donne la joie à la paix? N'est-ce pas toi Dieu qui guérit les malades? N'est-ce pas toi Dieu qui guérit les captifs? N'est-ce pas toi Dieu qui fait sortir tes enfants de la captivité? N'est-ce pas toi Dieu qui donne la résurrection? N'est-ce pas toi Dieu qui donne la patience? N'est-ce pas toi Dieu qui donne la gloire? N'est-ce pas toi Dieu qui t'élève? Libre sous ta canne à la bagarre.
N'est-ce pas Dieu, toi Dieu qui change des vies des gens? N'est-ce pas toi Dieu qui élève? N'est-ce pas toi Dieu qui élève? Rabasso Kotori Katana Bragaria. Rétete les brasso Katana Bragaria. Rétete les brasso Katana. N'est-ce pas toi Dieu qui enveloppe ceux qui sont en lui? N'est-ce pas toi Dieu qui enlève la honte et qui donne la gloire? Oh Rabasso Kotori. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Élevez les deux, mes peuples de Dieu. Dieu donne les bénédictions. Dieu guérit. Dieu accomplit des miracles. Mais il a aussi donné l'autorité à l'homme d'accomplir ces choses. C'est pourquoi Pierre a dit à ce perclus de pied, je n'ai ni l'or, ni l'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce matin, je peux dire par la grâce de Dieu que je vais te donner quelque chose. Dieu accomplit des miracles. C'est lui qui fait les miracles. Il est derrière toutes choses. Mais il a donné l'autorité, l'opportunité, la grâce à l'homme aussi d'exercer sa volonté. Pierre dit, ce que j'ai, je te le donne. Ce matin, l'esprit prophétique qui est sur ma vie va libérer quelque chose dans ta vie, va libérer une gloire sur ta maison, va libérer une parole de domination sur ta vie, une onction que tu n'as jamais reçue, une faveur que tu n'as jamais reçue, une grâce qui n'a jamais parlé dans ta vie. La grâce là va t'accompagner ce matin. Le bonheur, la joie, la paix que tu n'as jamais expérimenté. L'esprit prophétique qui a sur ma vie, aide de relâcher cette paix, aide de relâcher la grâce là, aide de relâcher ta guérison, aide de relâcher ta liberté, aide de relâcher ta célébration, aide de relâcher ton miracle. L'esprit prophétique sur ma vie, relâche ta personne ce matin, relâche ta personne ce matin. Il ouvre la porte là, la porte là que tu as longtemps fait nous frapper, la porte là qui ne veut pas s'ouvrir. Ce matin, je viens au nom de Jésus, que la porte là s'ouvre, je l'ouvre avec la puissance de l'onction, je brise les jougs qui sont sur ta vie avec l'onction du Saint-Esprit, je brise ça
la chaîne diabolique. Je brise le fardeau là. Je brise les accusations là. Je brise le problème là. J'enlève la honte. Et je t'habite un vêtement nouveau. Et t'habite un vêtement de gloire. Un vêtement de célébration. Un vêtement de réjouissance. Reçois mon puissant de Jésus. Ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. J'ouvre mon entrée spirituelle. J'ouvre. Dieu m'a dit un jour, il m'a parlé en anglais, il dit, I put in you glow. Et quand j'ai cherché, il dit, une lueur, une lumière éclatante pour bénir les autres. Seigneur, je me tiens sur cette parole ce matin. Et j'ouvre mes entrailles spirituelles. Je relâche cette lumière. Je relâche cette gloire. Je relâche cette lumière. Recevez, peuple de Dieu. Là où vous êtes confus. Là où les ténèbres vous dominent. Recevez la lumière que Dieu a déposée en moi. Recevez la gloire. Et que les ténèbres disparaissent. Que les ténèbres s'enfuient. Que la confusion disparaisse. Que la honte disparaisse. Recevez la lumière. Recevez la gloire. C'était en 2020 dans le mois de juin, dit j'ai mis glow. I put glow in you. I put glow. Quand vous cherchez bien, glow veut dire lueur. Lueur. Lumière éclatante. Alléluia. Recevez cette lumière. Recevez cette lumière ce matin. Quand vous avez fait vous avez fourni des efforts pour être ici. Je vous bénis depuis mes entrailles. Je vous bénis depuis mes entrailles. Je vous bénis depuis mes entrailles. Que les combats cessent. Que les combats s'arrêtent dans votre vie. Que la honte disparaisse. Recevez cette nouvelle onction. Recevez cette onction fraîche. Recevez cette onction fraîche. Pour le miracle. Pour le témoignage. J'attends vos témoignages le dimanche prochain. Le dimanche prochain. Vos témoignages arrivent. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un, que toute condamnation qui s'élève contre toi, la condamnation là est enlevée ce matin. Amen. Tu es condamné, la condamnation est brisée. La condamnation maléfique qui est sur la famille s'est brisée ce matin. Amen. La condamnation est brisée. Amen. La condamnation est brisée. Amen. Toutes sortes de condamnations qui pèsent sur ta vie, ta famille, sur tes bien-aimés. La condamnation est brisée. Venez que vous êtes condamné à la mort prématurée. Vous êtes condamné au célibat. Vous êtes condamné à la stérilité. Vous êtes condamné à la pauvreté. Mais reçois cet esprit prophétique. L'esprit prophétique dit ceci. Que la condamnation est brisée. La condamnation est brisée. La condamnation est brisée. C'est brisé, c'est brisé, c'est brisé. Ta vie change. Ta vie change. Ta vie change. Au nom puissant de Jésus. Écoute ce que l'Esprit dit. Tes mains ne seront plus vides. Amen. Tes mains ne seront plus vides. Yes. Tes mains ne seront plus vides. Amen. Tes mains ne seront plus vides. Yes. Parce que je te donne l'onction de multiplication ce matin. L'onction de multiplication. L'onction de multiplication. Les mains qui sont mortes reviennent à la vie. Les mains qui ne prospèrent pas reviennent à la vie. Les mains qui sont décédées reviennent à la vie. Recevez l'onction de multiplication. L'onction de multiplication. L'onction de multiplication. Tout ce que vous touchez se multiplie. Tout ce que vous toucherez prospérera. Recevez l'onction de multiplication. L'onction de multiplication. Vos mains sont ouvertes ce matin. Vos mains sont ouvertes ce matin. Ce matin, au nom puissant de Jésus. Quand tu vas me quitter, dépose la main sur tes affaires. Même si tu prends un billet de dollar, impose-lui la main. Et tu dis, billet de dollar, tu ne quitteras plus ma main. Au rabat, c'est que tes kata. Tout ce que tu veux toucher avec ta main, touche. Tu verras un témoignage concret. Amen. Écoutez ce que l'Esprit dit. Les mamans rabots, c'est que tes libres à les mamans rabots, chikata libre à soukata la bragaria. C'est moi qui élève. L'élévation vient de moi. C'est moi qui élève. C'est moi qui élève. C'est moi qui élève. L'Esprit dit, c'est moi qui élève. Que
l'élévation vient de moi. Là où tu es opprimé, tu es abaissé, tu es renié. Dieu t'élève ce matin. Dieu t'élève ce matin. Dieu t'élève ce matin. Là où tu es renié, tu es abaissé. L'élévation vient à toi. 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 Là où tu es abaissé, tu es renié. L'élévation vient. L'élévation vient. L'élévation vient. L'élévation vient. Reçois, reçois ma soeur. L'élévation vient. L'élévation vient. L'élévation vient. L'élévation vient. L'élévation vient. L'élévation vient. Reçois ma soeur. L'élévation vient. L'élévation vient. L'élévation vient. L'élévation vient. L'élévation vient. Reçois. 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 L'élévation vient. Reçois. Là où tu es abaissé. Ta maison est abaissée. Ta famille est abaissée. Le mariage est abaissé. L'élévation vient. Reçois. 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 Reçois cette élévation. Reçois cette élévation. Ça, c'est le jour de l'onction d'élévation. Le jour de l'onction d'élévation. Recevez cette élévation. L'élévation dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Là où vous en avez besoin. Là où vous avez besoin de l'élévation. Recevez, recevez. Reçois cette élévation, mon frère. Requêtez les bagadas, la bagadia. Libre, c'est que t'es kata. Libre, sous que t'es kata. L'élévation vient. L'élévation vient. L'élévation vient. L'élévation vient. L'élévation vient. Dieu dit, c'est moi qui élève. 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 Reçois. Reçois, maman, reçois cette élévation. L'élévation, plus de honte, plus de honte, plus de honte. Ils sont de l'humiliation. L'élévation, élévation, élévation. You are receiving élévation, élévation, élévation. Élévation, receive, receive, receive. Receive élévation, élévation, élévation. Libra sakatakatiha. Élévation, élévation. Élévation, élévation. Quand je parle de l'élévation, je parle de ta délivrance des ténèbres à la lumière. Je parle de ta délivrance de la pauvreté à l'abondance. Je parle de ta délivrance de la mort à la vie. Je parle de ta délivrance de la prison au palais royal. Requêtez, requêtez, requêtez. L'élévation, l'élévation, l'élévation. Requêtez les bagadons. Reçois cette élévation. Une élévation suivie ta célébration. Ta célébration, ta célébration. Requêtez, requêtez. Élévation, élévation, élévation. Élévation, élévation. Tu sors de l'homme, tu sors de l'homme. Tu sors de l'homme, tu as préservé. Rakata, rakate. Élévation, élévation. L'élévation, je l'ai dit, d'un point A à un point élevé. D'un point plus bas à un point élevé. Reçois cette élévation. Élévation pour l'accomplissement du désir de ton cœur. Reçois au nom de Jésus. Élévation, élévation, c'est moi qui élève. L'élévation vient de Dieu. L'élévation ne vient pas de l'Est. L'élévation ne vient pas de l'Ouest. Mais ça vient de l'Éternel des armées. Il a dit la tête de David. Et David dit, ma tête c'est la plus haute que la tête de mes ennemis. Ma tête c'est la plus haute que la tête de mes ennemis. L'élévation vient sur cette église. L'onction d'élévation tombe ce matin. L'onction d'élévation dans ta business, dans tes relations, dans tout ce que tu fais. Reçois l'onction d'élévation. L'onction d'élévation, l'onction d'élévation, c'est pourquoi les jougs, les fardeaux qui pèsent sur toi sont brisés. L'onction là les brise et tu es élevé. Les maladies là sont brisées, les malédictions là sont brisées, les jougs là sont brisés, les chaînes là sont brisées. Reçois l'élévation ce matin, reçois l'élévation ce matin. L'esprit de Dieu t'élève, la main de Dieu t'élève, l'onction t'élève. Tu sors des problèmes, tu sors de la honte. Tu es élevé, tu es glorifié, tu es élevé, tu es glorifié. Reçois de Jésus. L'élévation. Je l'ai vu en grande capitale, l'élévation. 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 Eh bien, Todoreji, voilà. Todoreji. 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 L'élévation. 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 Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci. À ton peuple qui est assis dans la boue, au milieu des moqueries, dans la honte, reçois l'élévation ce matin. Le peuple qui est assis dans les ténèbres, reçois l'élévation par la lumière de Christ ce matin. Le peuple qui est assis dans les maladies, reçois l'élévation par l'onction de guérison. Le peuple qui est assis dans la pauvreté, reçois l'élévation par l'abondance de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Thank you, Jesus.
Thank you, Father. In the name of Jesus, you have prayed. Put your hands together for Lord Jesus Christ. Hallelujah. Remember this day, the day of 13th of January. It's the day God has set for your elevation. Hallelujah. It is the day God has set for your elevation. Don't forget this day. Sunday 13 is 14 Sunday 14 2024. You can write it down somewhere. And when the time will come for you to testify about the goodness of God, you will open your notebook and you will say, my pastor, my prophet has said this, and today I'm here to testify. Sunday 14th of January 2024, you have received your prophetic word for elevation, for elevation, for a change in your life, for a turnaround in your life, for your great testimony. In mighty name of Jesus. Holy Spirit, thank you. Holy Spirit, thank you. We honor you. We glorify you. We honor you. You can glorify him wherever you are. Glorify the Holy Spirit. Glorify the Spirit of God. The Spirit of God. The eternal Spirit. The Spirit of prophecy. The Spirit of liberty. The Spirit of elevation. The Spirit of healing. The Spirit of blessings. The Spirit of destiny fulfillment. Hallelujah. Is moving around. It's moving around. It's moving around. It's moving around. It's moving around. Le masokata la bragadia. God says it's not by your might, not by your wisdom, but by my spirit. Everything that is possible in your life, from today on, Holy Spirit, make it possible. I said that door that the enemy has closed before you, the Holy Spirit is moving forward that door. Holy Spirit is breaking right now that door. The door is open. The door is open. The door is open. Enter and take your blessings. Enter and take your riches. Enter and take your blessings. In mighty name of Jesus. Holy Spirit, thank you. Holy Spirit, thank you. Because you never fail. You can never fail. Thank you, Jesus. Amen. You will never forget this day. The day of snow. You are here to bless the name of the Lord. God will reward you. God will remember you. God will step into your difficult situation. I can't hear you say amen. It's like you are not the owner of the prophecy. You are not the owner of this prophecy. I said on the day of difficulty. On the day of difficulty, God will step into your life to deliver you, to help you, to set you free, to elevate you, to change your life. In mighty name of Jesus. Because you didn't stay home because of the snow. You are here to worship your God. So God will always step into your situation. In the mighty name of Jesus. Amen. Very quickly, we are going to hear the word of God. Last Sunday, I have started a topic that I titled The Weapon
for increase and dominion in 2024. Les armes pour la multiplication, pour la croissance et la dominion en 2024. Les armes spirituelles, les spiritual weapons for increase and dominion in 2024. Hallelujah. And we have read in the book of Genesis chapter 1 from 26 to 28. Hallelujah. But I'm going to preach in French. I know that people don't like me to preach in English. So I'm going to do it in French. Abigail, it's okay, right? Hallelujah. Hallelujah. So rapidement, nous allons relire le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 26 à 28. Je veux que tu sois connecté parce que c'est un message très sensible. Malgré que beaucoup ne sont pas arrivés. Mais je vais donner une partie et je vais finir ça le dimanche prochain. Alléluia. Et le dernier dimanche, je vais te donner, je vais te montrer les forces qu'il faut exercer, les forces qu'il faut exercer pour dominer dans ce monde. Genèse 1, verset 6 à 28, qu'est-ce que la parole dit? Alléluia. C'est notre année de quoi? There is increase, we are living in dominion. Alléluia. Alléluia. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Amen. Le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Que la parole de Dieu soit bénie. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, parce que la parole de Dieu vient de sortir. Saint-Esprit, utilise la parole comme une épée pour combattre pour ce peuple, pour bénir ce peuple, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Peuple de Dieu, comme je le disais, je vous prends sur le thème les armes spirituelles pour dominer dans cette année 2024. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu qu'au commencement, quand Dieu a créé l'homme, Dieu lui a donné un manteau de domination. Alléluia. Un manteau de domination. Un manteau de grandeur. Un manteau de multiplication. Mais Satan était jaloux de l'homme. Comme aujourd'hui, les esprits de famille sont toujours jaloux de toi. Les hommes méchants sont toujours jaloux de toi. Parce que Dieu a déposé quelque chose dans ta vie. Parce qu'il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Quelqu'un va me demander, pasteur, pourquoi Dieu m'a créé à son image et à sa ressemblance? Parce que Dieu veut que je reflète sa gloire sur la terre. Dieu veut que je le représente sur la terre. Dieu veut que je sois son ambassadeur sur la terre. C'est pourquoi il t'a donné toute son autorité. C'est pourquoi il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Donc quand les gens te voient, ils voient Dieu. Alléluia. Quand les gens voient mon visage, c'est un des visages de Dieu. Quand les gens voient le visage de mon frère, c'est un des visages de Dieu. C'est pourquoi on ne dit à personne que toi, tu es laid. Tu insultes Dieu. Alléluia. Parce que le visage qui est en face de toi, c'est un des visages de Dieu. Alléluia. Maintenant, Dieu a donné une autorité, une onction de domination à chaque personne. Mais cette domination, nous pouvons la reposséder seulement en Christ. Parce que quand l'homme a péché dans le jardin, l'homme a perdu la domination. L'homme a perdu la fécondité. L'homme a perdu la multiplication. Et c'est seulement en Christ que nous pouvons récupérer cette onction de domination.
parler. C'est pourquoi quand il est venu dire, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions. Et de dominer toutes les œufs du diable et rien ne pourra venir. C'est pourquoi quand Satan l'a raconté pour la première fois, Satan lui a dit, procède-toi devant moi. Et je te donnerai la domination de ce monde. Parce que Adam a perdu la domination dans les mains de Satan. Adam ke buta tete wa le Satan na basi me ba. Il a remis la domination à Satan. Et sota tete wa sona futwa. C'est pourquoi Satan a demandé à Jésus, prosterne-toi devant moi, je te donne cette domination parce qu'il m'a été donné. C'est ce qu'il a dit à Jésus. Et nous tie Satan tro bla Jésus be suba ne ma sona do so e nanvo. Parce que Adam lui avait donné. Do Adam so e ba yé. Mais il ne savait pas. Hein? Mais Jésus est venu avec une autorité pour le renverser, pour reprendre cette domination. Parce que Jésus dit, le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres de Satan. Le Fils de l'homme est venu pour rechercher et retrouver ce qui était perdu. Je déclare sur ta vie ce matin que Jésus détruit les œufs de Satan dans ta vie. Jésus détruit les œufs de Satan dans vos familles. Et Jésus vous redonne la domination. Il vous redonne l'autorité. Il vous redonne la multiplication. La fécondité. Dans cette année 2024, dans ce mois de janvier, ce matin même, vous recevez la domination, la fécondité, la multiplication, au nom de Jésus. Alléluia. Soyez sensés et suivez-moi bien dans cette année. Je vais te donner certains enseignements que je n'ai jamais fait. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir quand vous lisez Genèse 9 à partir de verset 1. Après le déluge, Genèse 9 à partir de verset 1. Après le déluge, si à Java y voir. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit à Noé? Parce que l'homme avait perdu la domination au commencement. Dieu dit à quoi Noé? On dit Dieu bénit Noé et ses fils. Et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Amen. Ce qui veut dire que l'idée primordiale de Dieu, c'est que l'homme domine. L'Église doit dominer. Les élus du Christ doivent dominer. Dans ce territoire américain, dans l'Illinois, sur la terre de Quartier, nous devons régner. Dans nos lieux de travail, les business que nous faisons, nous devons dominer. Alléluia. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Quand il va appeler Abraham, je suis en train de vous donner les exemples bibliques de ceux qui ont dominé par la volonté de Dieu. Alléluia. Noé a dominé. Mais vous savez que l'ennemi est venu encore lui arracher cette domination. Quand il est devenu ivre, il était nu. De la même façon que Satan a mis à nu Ève et Adam dans le jardin. Alléluia. Amen. Il a encore mis à nuit Noé. Alléluia. Amen. Il a bu, il était devenu ivre. Il a perdu la domination. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il va appeler maintenant Abraham. C'est Abraham. Dans Genèse 12, verset 1 à 3, il dit, sors de la maison de ton père. Sors des ténèbres. Je vais t'amener dans un territoire là où tu vas régner. Et il dit, je vais rendre ton nom grand. Je te rendrai grand. Tes familles de la terre sortiront de toi. Elles seront bénies en toi. C'est la domination. Et cette fois-ci, Abraham n'a pas fléchi. Alléluia. Par la foi, il a obtenu cette promesse. Par la foi, aujourd'hui, nous vivons dans cette domination. Alléluia. Il a transféré cette domination à son fils Isaac. Alléluia. Et quand vous lisez Genèse 26 à partir de verset 12, Genèse 26 à partir de verset 12, la Bible dit, comme vous le savez, il y a une famine. Il voulait descendre en Égypte. Mais Dieu lui a dit, n'y descends pas. Reste dans la ville. Comme aujourd'hui, les choses sont difficiles à Moline. Les choses sont difficiles dans l'Illinois. Les choses sont difficiles aux États-Unis. Les gens quittent ce territoire. Les gens quittent cette ville. Toi, si tu veux quitter, il faut d'abord écouter la voix de Dieu. Alléluia. Là où il y a les ténèbres, là où il y a des difficultés, c'est là que Dieu demande sa force. C'est là que Dieu demande sa domination.
Si tu vis parmi les lumières, ta lumière ne sera pas révélée. Si tu es avec tous ceux qui sont lumière, ta lumière ne sera pas distinguée. Alléluia, alléluia. Amen. Mais quand tu vis parmi les ténèbres, et que tu es lumière, ta lumière va être visible. Alléluia, alléluia. C'est dans ce second qu'on saura qui adore vraiment Dieu. Dans ce territoire américain, dans cette période d'inflation, parce que Dieu m'a dit en 2024, il y aura la croissance et il y aura la domination. Parce qu'il y aura la multiplication. Que ce soit dans les affaires, que ce soit dans les business, les finances, dans vos richesses, c'est vous qui allez régner. Parce que celui qui prêtera aux autres, c'est lui qui dominera sur les autres. Toi qui emprunte, celui qui te prête domine sur toi. Alléluia. Maintenant, Dieu veut changer les choses, la situation. L'Église va reprendre la possession. L'Église va reprendre la domination. La multiplication va commencer. La fécondité va commencer. Ah, bah, est-ce que je parle bien à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que dans ce mois, tes souffrances ne commencent pas à finir. Si tu peux appliquer les principes que je vais t'enseigner. Je vais t'enseigner certaines normes, certains principes bibliques. Et nous tous, nous allons nager dans la bénédiction de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu peut te dire, je te bénis aujourd'hui. Mais si tu n'appliques pas les principes, tu ne verras jamais ces bénédictions. Alléluia. Donc Isaac a été obéissant. Et il a semé dans la terre aride. Alléluia. Amen. Comment il n'a pas plu, le monsieur a récolté. Il est devenu riche. De plus en plus riche. Et fort riche. Domination. Maintenant, quand vous lisez le verset 16, quelque chose m'intéresse beaucoup là-bas. Le verset 16, on va lire ça ensemble. Genèse 26, lisons le verset 14. Ou bien le verset 16, tu serais mieux. Genèse 26, verset 16. Il a dominé dans les richesses. Maintenant, écoutez ce que Abimelech, le roi de ce territoire, a dit. Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Une personne est devenue plus forte qu'une nation. Vous ne saisissez pas. Je commence comme ceci. À partir de ce matin, l'onction que tu reçois, l'onction a fait de toi la personne la plus puissante de ta famille. L'onction la continue sur ta vie. L'onction a fait de toi la personne la plus influente de ton village, de ta ville, de ton territoire, de ta génération. C'est ce qui est arrivé à Isaac. Il devenait de plus en plus riche. Alléluia. Amen. Donc il est devenu fort riche. Au point que la nation entière lui a dit, quitte notre territoire car tu es plus fort que nous. Le temps est venu que le monde dise que l'Église est plus forte. Le temps est venu que les sociétés disent que les ennemis du Christ sont plus forts. Le temps est venu que tes ennemis disent que tu es plus fort que nous. Nous ne pouvons plus te tuer. Nous ne pouvons plus te terrasser. Ayakata la bagarre. Alléluia. Donc Dieu donne quoi? La domination, le règne à son église. Une personne. Si Dieu a fait cela dans la vie d'Isaac, il le répète dans ta vie aussi. Je dis, il le répète dans ta vie. Alléluia. On dit, tu es plus fort que nous. Va-t'en. Foutons-le dans le là. Ils vont te fuir. Ils vont avoir peur de toi. Alléluia. Il est devenu un homme de peur pour eux. Un objet de peur. Il va tant de chez nous. Il pouvait le tuer. Parce qu'ils sont nombreux que lui. Mais Dieu lui a donné une grandeur. Reçois cette grandeur. Alléluia. Alléluia. Les hommes de Jacob, dans la maison de Laban, ils souffraient. Il travaillait sans salaire. Il lui a fait un salaire qu'il a changé 10 fois. Mais Genèse 31, 9 dit, Jacob dit,
Dieu m'a donné toutes les richesses de Laban. Dans la souffrance, l'ouvrier ou bien le serviteur est devenu puissant que son maître. Jacob qui était serviteur de Laban, il est devenu plus puissant que Laban. Parce que Dieu a pris de toutes ses richesses qu'il a donné à Jacob. Alléluia. C'est possible. Africain. Église chrétienne dans ce territoire, on peut être plus puissant que les Américains. Si nous pouvons compter sur notre Dieu, je vous ai dit ici la fois passée que quoi, Daniel a dit quoi? Que ceux qui connaissent leur Dieu seront très forts et feront de grands espoirs. Alléluia. Si nous pouvons connaître Dieu, si nous pouvons demeurer avec Dieu, si nous pouvons faire de Dieu notre berger, notre conducteur, nous serons nombreux. Nous serons puissant. Et nous allons faire de grands espoirs dans ce territoire. Parce que c'est la volonté de Dieu pour son église. Alléluia. Donc c'est comme ça que Jacob est devenu comment? Plus puissant que Laban. Alléluia. Quand vous continuez dans la lecture, quand vous lisez Genèse 32, le verset 24 à 28, la Bible dit Jacob a combattu contre Dieu. Alléluia. Amen. Et l'ange ne l'a pas vaincu. Le petit matin, l'ange voulait fuir. Il dit, je te saisis. Si tu ne me bénis pas, tu ne partiras pas. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Il dit, quel est ton nom? Mais je suis Jacob. Notez bien ce verset, vous allez relire à la maison. Genèse 32, 24 à 28. Genèse 32, 24 à 28. Et il dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Jacob. Mais on t'appellera Israël. Pourquoi? Parce que tu as combattu contre les hommes et contre Dieu, tu as été vainqueur. Ah, vous ne comprenez pas. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, il y a un nom qui t'est attribué. C'est le nom là qui te rabaisse. Jacob est dit trompeur, voleur, dribbleur. Mais le jour il a rencontré Dieu, son nom a changé. Alléluia. Il est devenu une nation. Il est devenu quoi? Une nation. C'est pourquoi quand vous lisez Isaïe 9, verset 7, la Bible déclare, Dieu envoie une parole à Jacob et la parole est tombée sur Israël. Dieu va te donner une puissance, une parole prophétique qui va changer ta vie. Toi, en tant que personne, tu deviendras une ville. Ou bien vous n'avez jamais entendu qu'on appelle on a trouvé le nom de quelqu'un à une ville. Alléluia. Amen. J'ai dit dans mon lieu de prière, avenue en Syrie là, le nom de l'église sera attribué à cette voix. Nous ne sommes pas ici gouvernement. Comme aujourd'hui on dit Azusa Street aux États-Unis, non? Le réveil de 1906. Quelque chose se passera sur ce territoire. On dira la rue de l'église des élus du Christ. Alléluia. The avenue of the church of Latter Day Saints of Christ. Alléluia. Quand je crois à ça, ça arrive bientôt, pas loin. Bientôt. Alléluia. Parce que je connais ce Dieu-là. Ce qu'il a fait dans Azusa Street, il va encore le faire. Jacob est devenu Israël. Il a combattu contre Dieu, contre les hommes, et il a été vainqueur parce qu'il a la domination. Tu ne seras plus vainqueur. Tu sortiras toujours victorieux parce que tu as la domination. Si je te donne ces exemples, c'est pour relâcher en même temps leur grâce sur ta vie. La grâce qui a été sur eux, l'onction qui a été sur eux, la faveur qui a été sur eux, elle vient de rejaillir sur toi, elle vient de rejaillir sur ta famille. Et vous allez faire les mêmes exploits, et vous en ferez plus même. Alléluia. Parce que nous sommes en train de rappeler à Dieu que c'est lui qui avait fait pour Jacob. Il a fait pour Isaac. Il a fait pour Abraham. Amen. Il va le faire pour toi aussi. Alléluia. Si je vois l'exemple de qui encore? De Joseph. De la prison au palais. Quelle notion de grandeur. Alléluia. Esclave dans la maison de Potiphar. Prisonnier. De la prison
au palais royal. Ce prison va y faire, et ça vous constaterez que dans la, même dans la servitude, il est toujours chef. On lui a confié toute la maison. Alléluia. Amen. Deux, dans la prison, il est chef des prisonniers. Pourquoi? L'onction de domination de son grand-père Abraham régnait sur lui. C'est ce que nous allons recevoir tout à l'heure quand tu vas sortir d'ici. L'onction de domination que nous avons lu tout à l'heure va commencer par parler dans ta vie, parler dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Il y aura la distinction, il y aura la différence. Donc il était toujours différent. Quelle que soit la situation difficile qu'il traversait, il est toujours différent. Il a été toujours favorisé. Alléluia. Amen. De la prison au palais. So, gakpa, ça va être ça, le thème du programme de la fin de ce mois. Alléluia. On va vous lire les programmes de l'année. Et chaque dernière semaine du mois, il y aura programme. Je ne prie. Alléluia. Et à partir du 29 jusqu'au 4, 29 janvier au 4 février, il y aura un programme très fort ici, alléluia, que j'institue de la prison au palais royal. Toi qui veux sortir de la bassesse, ne manque pas à ce programme. Alléluia. De la prison au palais royal, de la pauvreté à l'abondance, de la honte à la gloire. Ça dépendra de ce que tu écriras sur ta feuille. Alléluia. Dieu va l'accomplir. Donc Joseph a quitté la prison pour le palais royal. Alléluia. Amen. Parce que quoi? L'onction de domination régnait sur lui. Les hommes de David, de la brousse à la royauté. Alléluia. Amen. Il a dominé Goliath, un enfant de 17 ans. 17 ans que les six voient, Goliath dit. Il a terrassé. Parce il dit, l'Éternel est avec moi. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de victoire. Je ne manquerai pas de richesse. Je ne manquerai pas de miracle. Parce que l'Éternel est avec moi. Il est mon berger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est les exemples que je donne parce que je veux que toute l'assemblée soit là-bas, que je libère les armes. Mais vous recevez seulement les exemples là. Les exemples vont vous aider. Alléluia. Les hommes de David. Vous savez, David, premièrement, il a reçu l'onction pour régner sur Juda. Alléluia. Après, les hommes d'Israël étaient venus lui donner encore l'onction. Et il a régné sur Juda et Israël. Comment on appelle cette onction? Expansion. Domination. Alléluia. Amen. Ouais, il a quitté Juda pour tout Israël. Je vois l'expansion dans tes business. L'expansion dans tes business. L'expansion dans ta vie. L'onction d'expansion règne sur toi au nom puissant de Jésus. Vous n'êtes pas petit peuple de Dieu. Vous n'êtes pas des hommes bien des femmes petits. Non, non. Considérez-vous vous-même. Même si les gens vous méprisent, rejetez leur mépris. Vous êtes des hommes et des femmes de grandeur. Alléluia. Amen. Je vais vous enseigner ici comment David, Dieu a amené 400 personnes vers lui, des gens à vil prix, des gens qui n'avaient pas de valeur. Mais après, les mêmes personnes, on les appelle les vaillants hommes de David. Vous êtes les vaillants hommes de Miliao Apaya. Les vaillants hommes et femmes de cette église. Parce que vous venez de grands espoirs. Vous venez des merveilles. Au point que les gens diront, ceux-ci, ils ne sont pas nombreux. Ils n'ont pas de taille. Ils n'ont pas de forme. Ils n'ont pas d'argent. Mais comment ils sont devenus vaillants? Comment est-ce qu'ils sont devenus riches? Comment sont des hommes et des femmes d'affaires? Si Dieu l'a fait pour ces gens, il va le faire au milieu de nous. Parce qu'il m'a parlé, il dit, Émile, cette année, comme j'ai marché avec David, je vais marcher avec toi. Ceux qui ont suivi la veille de vendredi, c'est pourquoi j'ai prié avec ce verset-là. C'est ce que j'ai reçu dans mon lieu de secret. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il dirige mes pas dans les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il dirige mes pas dans les sentiers de lumière.
Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car il est avec moi. Ta roulette et son bâton me rassurent. Et il dresse en face de moi une table devant mes adversaires. Il m'induit ma tête et ma coupe déborde. Et ma tête s'élève. Et je domine tous mes adversaires, tous les ennemis. Lui, le bonheur. Et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dans cette année 2024, le bonheur et la grâce vous accompagneront. Au nom puissant de Jésus, vous n'allez plus recevoir des mauvaises nouvelles, mais c'est ce soir de bonnes nouvelles. Le bonheur et la grâce, le bonheur et la grâce, le bonheur et la grâce. Au nom puissant de Jésus. Parce que quand Dieu marche avec votre père spirituel, il marche avec vous aussi. Quand il est mon berger, il est aussi votre berger. S'il est mon conducteur, il est aussi votre conducteur. Au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qui va se passer cette année? Et si elle a fait, mais les pays, amen. Alléluia. Amen. Quand on va dédicacer le building, vous voyez les travaux, non? Ah oui, vous ne voyez pas le design déjà. Alléluia. Amen. Ça ne va pas être petit. C'est Noélie qui a chanté. Mon Dieu, ma fao. Alléluia. Amen. Non, je ne fais pas la bouche, je parle. Mais je ne fais pas la bouche. Et c'est ce qui va se passer. Non, que les gens. Alléluia. Amen. Parce que je vais vous déranger beaucoup. Et ensemble, on y arrivera. Alléluia. Donc David, Dieu lui a amené des hommes faibles. Avec le temps, ils sont devenus des hommes vaillants. Des hommes riches. Des hommes grands. Que cela soit ainsi pour vous. Alléluia. Et je donne l'exemple de Daniel. De la fosse au lion. Au premier ministre. Alléluia. Vous voyez comment Dieu fait? Tu reçois une prophétie que tu seras grand. Tu sors d'ici en même temps, on te jette dans la fosse. C'est ce que le diable fait pour me décourager. Mais ne soyez pas. Souriez seulement. Souriez seulement. Souriez seulement. Parce que c'est le temps de ta formation. Le Seigneur vient de te transformer pour que tu sois prêt. Pour la grandeur. Levez-vous sur vos pieds. Alléluia. Ces exemples-là, relisez-les avec les versets. Alléluia. Et l'onction de ces hommes va tomber sur vous. Alléluia. Quand j'ai commencé par prêcher, vous savez, le personnage que je prêchais plus, c'est Joseph. Je prie pour Joseph. Et mon père spirituel m'a dit un jour, dans ton ministère, Dieu t'appelle pour le ministère prophétique de guérison, de délivrance. Mais comme la façon dont tu aimes Joseph là, tu seras tellement persécuté. Il me l'a dit clairement. Que c'est spirituel, la façon dont j'aime Joseph, son esprit va reposer sur moi. Je serai grand, mais je vais souffrir un peu. Il me l'a dit. J'étais en train de manger avec lui quand il m'a parlé. Dans son salon. Alléluia. Je n'ai jamais oublié cette parole. Et quand je vois les persécutions, tout, je sais que j'y arriverai. Comment pas remercier le Seigneur? Comment pas remercier le Seigneur? Comment pas? Parce qu'aujourd'hui, il a relâché l'onction des grands hommes. Comme Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Daniel, le petit Jésus. Il est né, dit la domination reposera sur son épaule. Et il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'en son nom, tous genoux fléchissent. Et que tout le monde connaît qu'il est Seigneur. Il nous a donné le même nom, la même grandeur. Remercie-le. Parce que quand tu parles au nom de Jésus, les démons se soumettent. Quand tu parles au nom de Jésus, les maladies disparaissent. C'est ça la domination. C'est ça le règne sur la terre. Rabakata rakatia. Remercie le Seigneur ce matin. Remercie le Saint-Esprit ce matin. Remercie-le. Celui qui a choisi de te donner la domination. Celui qui a choisi de te donner le règne. Celui qui a choisi de te donner la fécondité. Celui qui a choisi de te donner la grandeur. Remercie-le ce midi. Remercie-le ce midi. Remercie-le ce midi. Parce qu'à compter de ce jour, tu ne seras plus petit. Tu ne seras plus petit. Tu ne seras plus petit. Tu ne seras plus dans la bassesse. Tu ne seras plus dans la bassesse. Mais tu seras la tête. Tu seras la tête. Tu vas vivre en haut et non en bas. Tu seras élevé et non en bas. Que ce soit.
sois spirituellement, que ce soit matériellement, que ce soit financièrement, l'élévation vient à toi. L'élévation vient à toi. Le machakata la bagaria. Le bébé sekete la bagaria. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas dit à l'homme, sois sain et qu'il soit fécond. Alléluia, vas-y, ma soeur. Et la paix. Sois un esprit, ma soeur. Parce que l'onction de David règne au milieu de nous. L'esprit de Daniel a dit de planer. L'onction de Joseph est ici ce matin. Et maman Marabosa Katana Bagari. La botane. Et maman Marabosa Katana Bagari. Dirudu, le babota. Oh, la base que t'es de bagarre. Dirudu, la bota ne menyebe, menyebe. Yehola elagbe, elagbe, elezime, jirudu, jirudu, le babota, la bota ne jirudu. Botane, jiru, jiru, le babota, la botane, jiru, la botane. Nous allons faire trois requêtes de prière. Alléluia. La première requête de prière va être l'utilisation de la première arme que je vais vous enseigner le dimanche prochain. Avoir la parole de Dieu comme ceinture, la vérité comme ceinture. C'est-à-dire la parole de Dieu, posséder la parole. Jean 8:32 dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et Jérémie 23, le verset 29 dit, ma parole n'était pas comme un marteau ou briser le roc. Si tu veux évoluer dans cette année 2024, tu as besoin de te saindre les reins avec la parole de Dieu. La parole va être dans ta main comme un marteau, comme une épée, comme un feu dévorant. Et tu pourras terrasser les adversaires. Et tu domineras, tu régneras. La parole va t'enseigner la voie à suivre pour réussir. La première arme pour réussir dans cette année, la parole de Dieu, la vérité qui est dans la parole. C'est pourquoi toi et moi nous allons prier. Va dire, mon Dieu, mon Père, à partir de ce midi, libère la puissance de ta parole sur ma vie. La parole que je viens d'écouter, que la parole affecte ma vie, que la parole touche ma vie. Que la parole brise les fardeaux qui sont dans ma vie. Que la parole me délie de la captivité. Que la parole me libère de toute maladie. Que la puissance de ta parole, Seigneur, me libère aujourd'hui. Me libère, me délivre. Pour que je prospère. Pour que je réussisse dans cette année. Et l'étape de ma formation. La parole de Dieu. La puissance de la parole. L'esprit qui est dans la parole. Que l'esprit la te libère. Que l'esprit la te libère. Te détache. Te libère. La puissance de la parole. Que la puissance de la prise de la jougue. Les problèmes qui sont dans ta vie. Que ta vie soit libérée. Que ta vie soit libérée. Pour que tu réussisses. Pour que tu prospères dans cette année. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et
que la parole serve comme un feu dévorant pour dévorer les adversaires, dévorer les démons, dévorer les hôtels sataniques. Que la parole serve comme un marteau pour briser les montagnes, briser les barrières, briser les obstacles. Au nom de Jésus. C'est la première arme que tu vas utiliser cette année. Alléluia. Et la deuxième prière que nous allons faire, Genèse 1, verset 6 à 8, dit quoi? Sois fécond. Multiplie. Remplissez la terre. Dominez-la. Tu vas prier. Va dire Seigneur, à partir de ce matin, donne-moi la grâce, l'onction, la puissance. Pour être fécond, pour multiplier, mais pour dominer, pour régner, dans ce temps-ci, dans ce mois de janvier, dans cette année 2024, pour le reste de ma vie, donne-moi la grâce et l'onction pour être fécond, pour multiplier, pour dominer, pour régner, pour réussir. Et l'état va maintenant, et l'état va maintenant. C'est Dieu qui donne la fécondité, et Dieu qui donne la multiplication, et Dieu qui donne la croissance, et Dieu qui donne la domination. Recevez cette onction, recevez cette grâce, la grâce est d'être fécond, la grâce d'être fructueux, la grâce de multiplier, la grâce de dominer, la grâce de régner. Recevez cette grâce, amenez-moi vers la voiture, la grâce, la grâce, la grâce, the grace of God, the anointing of God, to multiply, to be fruitful, to dominate, to exert your dominion. Receive the grace, receive the anointing, receive the grace, receive the anointing, receive the grace. Au nom de Jésus, nous avons prié. La domination, le règne, l'église des églises doit dominer, doit régner. C'est pourquoi nous allons prier avec Acte 9, verset 31. Il dit, l'église était en paix à Jérusalem, à Samarie, dans la Judée. L'église était en paix dans Jérusalem, Samarie et Judée. Et le peuple croissait, ou bien s'édifiait. Le peuple s'édifiait. Le nombre multipliait. Il y a l'accroissement par l'assistance du Saint-Esprit. On dit l'église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu vas prier. Ce n'est pas seulement le nombre qui s'accroissait. Il y a les finances aussi. Les finances aussi. Les richesses aussi se multiplient. C'est pourquoi tu vas prier. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Demeure avec nous. Conduis-nous dans ce mois de janvier. Conduis-nous dans cette année 2024. Et donne-nous la multiplication. Donne-nous la fructification. Donne-nous l'abondance. Comme tu l'as fait au commencement. Viens nous aider, Esprit de Dieu. Viens nous aider dans cette année. Dans ce mois de janvier. Viens aider ma famille. Viens aider l'église des saints du Fils. Viens aider tous les membres de cette église. Dans la croissance. Dans la multiplication. Dans la fécondité. On prie, prie, amène de ton bien. Papa, qu'on connaît pas la route. Papa, qu'on connaît pas la route. Merci Seigneur. C'est fait au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit va t'aider. Dans ce mois de janvier, les deux semaines qui restent, le Saint-Esprit va t'aider. Dieu est ton berger. Jésus est ton berger. Le Saint-Esprit est ton berger. Tu ne manqueras de quoi que ce soit. Tu ne manqueras pas de quoi que ce soit. Il m'a accompli tous tes désirs. Le Saint-Esprit va te satisfaire. Les portes vont s'ouvrir. Ton miracle est déjà là. Ta guérison est déjà là. Ta prospérité est là. Ta réussite est là. Ta grandeur, ta domination est là. Reçois le nom de Jésus.
vos enfants ne seront pas l'huile. Je dis vos enfants ne seront pas l'huile. Toute maladie, tout problème qui les dérange, je maudis ces maladies, je maudis ces problèmes, je ne maudis pas le sang de Jésus, je maudis tout démon qui tourmente vos enfants, les démons qui les influencent pour les empêcher de réussir. Le sang de Jésus les paralyse, le feu les consume. Au nom puissant de Jésus, vos enfants reçoivent l'onction de sagesse. L'huile de sagesse, l'huile d'intelligence, receive the anointing of wisdom for your children. The anointing of wisdom for your children, receive. They will prosper. Yes. They are in this land. Papa, merci. Merci, Seigneur. Quand tu as béni ce peuple, ce peuple est venu t'honorer malgré les conditions climatiques. Seigneur, honore-les. Donne-leur de l'honneur. Donne-leur de la grandeur. Au nom puissant de Jésus. Papa, merci parce que c'est fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Vous allez témoigner. Alléluia. Vous allez commencer à voir des rencontres divines. Certains vont voir Abraham dans leur rêve. Certains vont voir Isaac. Jacob. Ah, je le dis parce que c'est vrai. J'ai une fois vu Noé. Je vous ai dit ça ici. Je l'ai vu, on m'a montré comment il est né, comment il a grandi. Yeah. Dieu va te donner l'onction de l'un de ces personnages. Tu vas les voir dans tes rêves. Alléluia. Ils vont déposer quelque chose sur toi. Alléluia. Papa, merci parce que c'est fait. Saint-Esprit, merci. Car cette parole va s'accomplir dans la vie de ce peuple. Et le peuple va revenir avec des témoignages le dimanche prochain. Au nom puissant de Jésus. Amen. Vous allez bénir, acclamer la foi pour le Seigneur. Alléluia. Qui a aimé la parole? Quand ces paroles, relis la parole. Relis ces exemples que je t'ai donné. Et le dimanche prochain, je vais libérer les armes. Je t'ai donné une des armes, la parole. Ce que la parole fait. Alléluia. Et nous allons réussir certainement cette année. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Donc le secrétaire va nous donner les... Alléluia. Amen. Nous allons rapidement écouter les annonces. Mercredi, nous avons le culte de guérison et de délivrance. Vendredi, la veille de prière. Et le dimanche, le culte est de 10h30 à 12h30. Comme le pasteur l'avait déjà annoncé, à la fin de ce mois, nous aurons une semaine de prière. À partir du 29 janvier au 4 février. Et le thème sera de la bassesse à la hauteur. Amen. Nous exhortons tout un chacun à se préparer bien pour cette dernière semaine et le début du mois de février. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu es content, tu m'en parles. Alléluia. Amen. De la bassesse à la hauteur, bien de la prison au palais royal. Alléluia. Amen. Ah, ok, j'ai encore oublié ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, on me rappelle quand la deuxième offrande. Alléluia. Amen. Alléluia. Actuellement, notre cash app fonctionne bien. Alléluia. Amen. Ceux qui n'ont pas de cash, vous pouvez donner sur Cash App. Alléluia. Amen. Donc, c'est notre deuxième quête, notre deuxième offrande pour continuer l'œuvre dans la maison de Dieu. Alléluia. Supporter le paiement de ce bâtiment que nous avons acheté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu le fais, Dieu va te bénir. Alléluia. Toi qui nous suis sur Facebook, on va t'afficher notre Cash App, le tape seulement Church of Elders of Christ, ou bien tu peux scanner le logo qui est sur qui est affiché. Scan for online giving. Alléluia. Tu fais le scan et tu donnes, tu envoies un don à l'église des élus du Christ parce qu'il y a des travaux qui continuent dans cette maison. Contribue à ces travaux et ta vie ne sera plus la même. Alléluia.
Limbrasu katala bragadia. Nasioni kolema, neme kuha fi wa femeo, akbena wo, mela bebekwa. Nasioni kolema, neme kuha fi wa femeo, akbena wo, mela bebekwa. Akbena wo, akbena wo, mela bebekwa. Seigneur, je bénis ces offrandes au nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis les mains qui ont donné. Multiplie les os de leurs mains afin qu'ils viennent donner abondamment pour la prochaine fois au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bientôt, une seule personne se lèvera un jour et dira, pasteur, je donne 10 000. Amen. Je donne 20 000, Amen. Je donne 30 000, Amen. Je donne 50 000 dollars, Amen. Je donne 100 000 dollars, Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on vient de donner le programme de la semaine. Ceux qui sont disponibles, venez mercredi 11h à 13h. Alléluia. Et la veillée de prière, à partir de 0h le vendredi, ne manquez pas. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on veut posséder cette année-là, on veut régner, dominer. Il faut beaucoup prier. Et le samedi, le groupe d'intercession à 13h, le groupe musical à 13h. Alléluia. Et dimanche, le culte est à 10h30. Et invitez les frères, vos amis, vos voisins, vos neighbors, invitez-les à venir manger ici avec nous. Alléluia. Alléluia. Levons, nous allons recevoir la bénédiction. Alléluia. Et la dernière semaine, comme on l'a dit, du 29 janvier au 4 février, une semaine de jeûne et prière. Suivi des cultes prophétiques. Alléluia. On vous donnera le détail dans les dimanches à venir. Alléluia. Élevez les mains, comment pas remercier le Seigneur. Remerciez-le pour le culte de ce matin. Remerciez-le pour la parole qui est sortie. Remerciez-le pour l'onction d'élévation qu'il a donnée. Remerciez-le pour tout ce que toi-même tu as reçu. Tu es conscient que tu as reçu quelque chose. Remercie le Seigneur. Mon Dieu, mon Père, je te loue pour ce peuple. Merci pour ta parole qui est sortie pour nous. Et merci ta parole prophétique qui parle de l'élévation. Je prie et je déclare que cette parole s'accomplit dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Seigneur, à présent, je remets ce peuple entre tes mains. Que ton ombre couvre ce peuple. Amen. Seigneur, que tes yeux soient sur eux. Amen. Que ton feu les entoure. Que les âmes campent autour d'eux. Amen. Afin de les arracher des mains de Satan au nom de Jésus. Amen. Que le sang de Jésus les marque. Amen. Et qu'ils deviennent des femmes et des hommes de peur pour leurs ennemis. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, je déclare que l'onction du règne, l'onction de fécondité, l'onction de multiplication et l'onction de domination repose sur ce peuple. Quand ils vont sortir d'ici, Seigneur, qu'ils rencontrent les hommes de leur destinée. Que ta grâce et ton bonheur les accompagnent. Et qu'ils reviennent avec des témoignages. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Élu du Christ. Élu du Christ. Âme sauvée, vie renouvelée. 2024. Il y a la croissance. Donc, on va faire comme ceci. Ça va être plus simple. Si je dis 2024, vous dites il y a de la croissance. Et moi, je répète encore, il y a de la croissance. Et vous dites nous vivons dans la domination. Ça va être plus simple. 2024. Il y a de la croissance. Il y a de la croissance. Nous vivons dans la domination. C'est plus mieux, non? 2024. There is increase. There is increase. We are living in dominion. Que le Seigneur vous bénisse. Que la domination et l'increase vous
nous accompagne au nom puissant de Jésus. Amen. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Alléluia. Alléluia. Alléluia.